Après s'être offert un sublime maison à Paris, François Hollande et Julie Gayet seraient cette fois sur le point d'entrer en possession d'une nouvelle maison à Granville dans la Manche, d'après Closet. Une nouvelle acquisition pour l'ex-couple présidentiel ? Peut-être bien. D'après le magazine Peuple, l'ex-président de la République et sa compagne de longue date auraient posé leur dévolu sur une sublime demeure composée de trois niveaux. Leur nid douillet serait situé dans un quartier où les maisons se vendent autour d'un million d'euros. La maison qu'ils s'apprêteraient à s'offrir, construite dans les années 1910, était la propriété de Christophe de Margerie, ex-PDG du groupe Total, décédé dans un tragique accident d'avion en Russie en 2014.